émission mensuelle à ne pas louper. Salut à vous les coreux. J'espère que vous allez bien, car de toute façon, je ne peux pas vous entendre. Mais t'es un comique, toi. Enfin bref, vous êtes bien sur l'émission au cœur du 8-bit, et j'espère que vous avez bien fait vos étirements du cou, car pour le coup, je vous ai préparé du lourd pour aujourd'hui. Au programme, qu'est-ce que la Nintendo Core ? D'où ça vient et où on en est à présent ? Et oui, on se tape le petit cours d'histoire musicale avec Bibi. Bonne chance, car c'est d'un chien. M'en parle pas, Diana. Women worship men at the web of the golden age.
Voici Orze Band avec leur morceau Lord Gold Throne Room. Orze Band, c'est de là que tout est parti. Ce terme de Nintendogore est sorti pour la première fois de la bouche du chanteur Nathan Winicky lors d'un interview. Et la machine s'est lancée. Ce groupe a donné naissance à beaucoup de groupes tels que ceux présentés aujourd'hui. Et comme diraient les Jones, oui, c'est de la peuvre. C'était démo de Sky Heat Airplanes. De quoi avoir de petits torticolis intempestifs le lendemain. Mais alors, Jamy, c'est quoi la Nintendogore? Tout d'abord, parlons le pourquoi du corps avant tout. Les riffs frénétiques, la voix aboyée, le rapide enchaînement des segments des chansons et les refrains généralement puissants et fédérateurs sont avant tout synonymes de hardcore. Style musical parent du présent style. En gros, c'est simplement pour ça que vous gesticulez pour rien derrière votre écran. Un petit extrait de hardcore? Stop, c'est trop. Pour la composante Nintendo, les groupes ajoutent par-dessus cette épaisse couche de guitare, de basse et de batterie, des vieux claviers digitaux vintage et des puces électroniques récupérées sur de vieilles consoles d'arcade. Les puces PSG sont le plus prisées, mais certains autres musiciens trépatouillent carrément de vieux Game Boy. D'autres vont plutôt échantillonner de vieilles cassettes et la première console Nintendo. Un petit extrait de puces PSG cette fois-ci. On avait dit petit, les gars. We'll be right back.
beaucoup de rock mini-boss et ce morceau nommé Super Mario Bros. 2 est l'un des groupes les mieux établis du genre limitrophe entre math rock et Nintendo Core, avec un impressionnant nombre de reprises musicales provenant des jeux vidéo Contra, Double Dragon ou Excitebeat. Alors 2 plus 2, Boris. Le groupe est originaire de Phoenix, en Arizona, et il est l'un des plus représentatifs du genre rock Nintendo, ayant joué à de nombreuses expositions de jeux vidéo. En parallèle, le groupe Bats se sont aussi affranchis des références de gaming en mettant de l'avant plutôt des notions de science dure. Tandis que le Genghis Throne et The Locust sont des ovnis de brutalité electronoise qui utilisent des éléments de 8 bits, ou chiptune dans le jargon, dans leur métal dissociant et déchirant.
Hardcore Anal Hydrogène avec le morceau Jean-Pierre. Oui, oui, c'est le titre du morceau et non pas une erreur de ma part. Ah, encore un groupe sous drogue dure. Ouais, mais eux, ils amènent la recette encore plus loin en faisant générer des bouts de chansons et des vidéoclips par des algorithmes. Mais quoi ? Être un métalleux, c'est pas boire de la bière et faire le ventilo ? Et non, mon vieux, ça c'est so old school. Mets-toi un peu à la page. À la fin de la journée, ressort ton fusil en plastique gris et orange, joue à Duck Hunt et dis-toi que ça c'est l'argent. Bon alors, comment c'était ? Ils t'entendent toujours pas, sale nerd, va. De toute façon, je préfère le death metal. Finis ces conneries. Je suis pas d'accord. Le mieux, c'est le doom. Non, les bros, le mieux, c'est Tiana Dogma et ce morceau que j'ai nommé Antique Fire Machine. Je vous dis alors à la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Radio Saint-Afrique. We'll be right back.